Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Route 96, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bonjour, ici Sonia Sanchez. Bienvenue à Sonia Show. D'habitude, ce sont des ados qui sont portés disparus. Mais ce soir, il s'agit d'un policier, l'agent Dave Simoniak, qui enquêtait sur les séries de meurtres survenues sur l'autoroute. Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Merci de contacter les standards de l'émission plus vite si vous disposez de la moindre information. Peut-être avez-vous attendu cette rumeur selon laquelle un adolescent aurait fui vers les tunnels abandonnés. Cette histoire est bien évidemment fausse, selon notre. Cher président Tarak, ces tunnels n'existent tout simplement pas. Sourire aux lèvres, il m'a même confié que s'ils existaient, il s'en servirait pour éviter les bouchons à la frontière. Et maintenant, jetons un œil au dernier sondage. Pendant que Tyrak demeure le grand favori. Quel soulagement! Comme vous le savez, le Sonia Show porte une grande attention au jeune pétrillant qui persiste à disparaître mystérieusement. Jetons un œil aux derniers avis de recherche. Appelez-vous. Contactez l'émission si vous avez le moindre renseignement. Nous comptons sur vous. Peut-être un jour. C'était Sonia Show. Je vous dis à demain. Passenger. Merci d'être arrêté, j'attends mon grizzly m'a claqué dans les pattes. Grizzly? C'est comme ça qu'on l'appelle mon calmar, mon compteur. Il faut seulement que je passe un coup de fil. Tu vois le petit camion que j'ai dessiné? C'est là où on est. Ah là, ok. Donc, téléphoner, c'est... Non. Wes. Aider. Et au plancher, chatin. Alors, chatin, où t'allais avant que je tombe dessus? Ma grand-mère, n'oublie pas de bazarder cette bagnole volée avant d'arriver. Là, je suis dans ton camp.
C'est dangereux de dormir dehors. Une astuce pour le reste de la forme. Pourquoi tu demandes? Pour aider des copains à traverser. Respect alors, on a quelques points en commun. Eh ben, il faut manger, boire, se reposer. L'aventure, c'est pas une raison pour oublier les bases. Oh, ne passons pas par là. Des gogues au milieu du désert, ça c'est l'argent du contribuable. Oh, too bad Petrian maps are notoriously unreliable. Hit the gas, kid. We gotta find a phone. L'intérêt à trouver cette cabine, j'aime pas laisser mon compteur tout seul. Transporter quoi? Changement important, chaton, très important. Elle est bien fermée, ouais. Mais il y a un paquet de monde qui aimerait bien mettre la main dessus. Une cabine, bien joué, chaton. On est juste pour une seconde. Allô, Robert, tu m'entends? Allô, tu m'entends ou pas? Pas du temps, faut qu'on trouve cette cabine. Ma voiture, c'est mon, hein? Il y a forcément une cabine quelque part. Mais oui, on va trouver. Quand on s'en fout, c'est bien. J'adore les campings, c'est là que je dors le mieux. J'ai les lunettes sur la carte. Qu'on trouve cette cabine. Pas de suspect. J'ai toujours un bar à chaque aller en repas. Bonne idée. Faut qu'on trouve une cabine. Une cabine enfin, bouge pas, chaton, j'en ai pour une seconde. Pas de problème. Le camion m'a lâché. Ouais, par là-bas, l'émetteur. D'accord, backup. Je t'attends là-bas. Ça va mieux, merci. Good. Tant mieux. Maintenant, ramenez-moi au Grizzly, j'espère. On va étudier là, chaton. Mes amis, va pas tarder à souhaiter. Je devrais pas rester là. C'est ce que je t'avais promis, mais merci.
hope you reach your destination. Je souhaite d'arriver en ce morceau. Bonne chance dans tes aventures alors. Bonne chance à toi aussi. Burning. Sonia veut faire la fête. Sonia va faire la fête. Vous avez encore Sonia? Bah, écoutez, tout ça que Adam a dit, c'est que vous ne devriez pas entrer là-dedans. L'autre tordu pourrait y être. Ouais, désolé, trésor, cette fête est simple et VIP. C'est pour ça qu'Adam peut pas entrer. Oh, elle t'a cassé. Moi, je peux entrer? Je sais pas, t'es célèbre? Ouais, t'es la meilleure, Adam. Toi, célèbre ridicule. Bon, allez, j'y vais. Et je vais entrer. Hey, l'amour, viens avec moi. Quoi? Eh ouais, quoi? Tu m'en rends encore? Allez, viens, poupée. C'est des cousins réservés au VIP, on a dit. Prenez sur elle, gamine. Il y a un psychopathe à cette trousse. Elle est vraiment stressée, Steve, sans blague. Je m'interdis de vivre dans la peur, question de principe. Je reconnais pas votre choix. Ah, ça c'est parce que la TV, je parle comme ça, alors que dans la vraie vie, je parle comme ça. À GNN, ils trouvent que ça fait moins cruche sans l'accent. Des conneries, si tu veux, mon avis. Je peux vous demander autre chose? Vous couvrez les figures, des fois? Oh, les ados, en fait, c'est notre gang-pain. J'ai même entendu parler d'un ado qui serait passé par le Mont National. Je sais pas si tu imagines. Et l'objectivité du journaliste, alors? Parle-moi, national, n'importe quoi. La vérité. Et maintenant, va t'amuser, ma puce. Ah, donc, c'est pas vraiment un rancard adorable. C'est qui tous ces gens? Ce sont des donateurs de la campagne de Tyrite. Oh, vous avez volé Tyrite? Ben oui, pour qui d'autre? Lupus. Lupe Flores? C'est ça, le socialiste? Allez, on danse! Un petit jeu. Ouais, pourquoi pas. Je ramène 3 à bas, je tire, je remporte le prix. Bon, ça marche. Tu reçois une bâche pour chaque jeu gagné. Il y en a à ma droite. Va dans la cage. On renverse tout. Les autres sont dans les salles d'arcade.
Les autres sont à la salle d'arcade. On s'appuie la route, sachant que je pense que les ados devraient pas traîner. Sur la route, non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il faut paraisser? Je fais le tirac. Ah, pardon. On t'a pas reconnu, salut ton papa de notre part. C'est une trappe sur la sable. J'en suis sûr. Regarde, tu veux tenter ta chance? Hey, bitches, content de te voir. Je vais bien essayer. Vous allez plus vite quand c'était moi. Un autre essai, jeune fille? $1, allez. Allez, 10. Maintenant, on n'équipe plus le gobelet des yeux. Tant ta chance, je vais miser sur ma môme. Toi là, t'es la ferme, flûte. J'ai laissé mon portefeuille. Et après, tu vas me chercher la choupette. Tu vas. Il est déjà de... à côté des toilettes, grouille. Donc, je vais miser sur ce gamin. Je parie sur elle, ma petite caisse sur putain de gagnant. Je le sens. Regarde-moi cette face de clown, il se fait plus dessus. Je le sens bien. Oh, on dirait que ma petite crêpe, pour ceux qui voient clair dans ton jeu. Hey, je gagne la mise. On commence à avoir des doutes. Tais-toi et joue. Intérêt, petit-toi, et non loin, au revoir, fini avec toi. Du coup, c'est ce que j'ai vu. Oh là, pas encore.
Vous êtes en danger. T'inquiète, Bichette, je sais me défendre. Vous devez partir tout de suite. Tu me fais plus penser à Dame Bichette. On va me chercher un verre au bar. Prends-en un pour moi aussi. Ça va te détendre. Je ne vais pas vous laisser seul. Tu vois ses mains, elles peuvent couper un homme en deux. Elle va me chercher un verre. Tu veux ma photo, mon veuve? Oui, c'est juste qu'il y a un mec bizarre avec un chapeau. Il parlait d'elle. Il a dit quoi? Pas trop, c'était essentiellement des grognements. Mais il avait pas l'air de trop l'aimer en tout cas. Quand ça va plus la route, sachant que je pensais que les ados devraient pas traîner. Non, vraiment. Elle est où? Elle était plus là quand je suis revenu. J'espère qu'il n'est rien arrivé de trop affreux. Père de Sonia, du calme petit. Elle est dans l'animo. Et puis sa coupage, je l'ai vu peut-être, mais on ne la retrouvera jamais maintenant. Mais Sonia est épuisée. D'accord. Merci d'être occupé d'elle. C'est une bonne personne dans le fond. J'en suis sûr. Attention à toi, hein, merci. La voiture est volée.
Ah, c'est elle. De concession. Quand on voit la société ambiante, c'est pas étonnant que la police devienne violente. Attends, t'es quand même pas en train de justifier la violence policière. Je suis content que tu sois là. Au moins, je suis pas le seul à devoir me taper ça. T'as regretté, hein? Les gens pillent les magasins, Jeff. Il faudrait laisser faire ça. Quand le système est corrompu à ce point, le pillage devient une réponse raisonnable. Tu crois qu'ils sont toujours comme ça? Franchement, j'aime bien. Et donc, toi, t'as pas dû avoir une enfance très heureuse. On peut vraiment pas discuter avec toi. Bon, et sinon, toi aussi, hein? Bon, c'est quoi? Si t'essaies de passer la frontière comme moi, ça sent littéralement. Encore à parler d'autre chose alors. Tu crois qu'ils s'en doutent en avant? Vraiment pas. Absolument pas. J'ai une idée. Ah ouais? On a qu'à jouer au jeu qui traînait, j'ai de la musique aussi. Tiens, prends mon Walkman. T'as déjà joué ou pas? J'aime connaître le niveau de mes adversaires avant de les écraser. Je parlais quand ma mère. Un peu, je me débrouille, désolé, je suis une pro. Alors, ça va faire mal, désolé. La première ligne 4 pions à gagner. Oh, je l'ai pas vu venir. Et comme d'habitude, revanche. Oh, c'est-tu? Je suis aveugle. T'aimes ma musique ou pas? Ça, je suis une grande fille. J'adore. J'ai des tas de cassettes, tiens. Comme ça, tu te souviens de moi. Bon, et du coup? Quand est-ce que t'es parti? Début de l'été. Commencer une nouvelle vie ou juste en avoir une?
Mon père dit que j'ai de la chance de vivre dans une grande maison, d'être au lycée privé. Je te jure, c'est pas le cas. C'est pas mal à ton père, on peut dire. Je vais te dire, c'est Gaki. Je fais confiance. Non. Mais ne me fais pas regretter. Mon père, c'est le ministre du pétrole. Non, je... Dites quelque chose? Non, juste qu'on adore votre van. Je pense une révélation. Je pense que t'arrivais à garder l'image de moi que t'avais avant. Quelle image? C'est une exceptionnelle avec qui t'avais la chance de partager ton oxygène? Il doit y avoir erreur, je déconne. Sympa. Et les filles? Bon courage. Je peux vous poser une question? Ouais. Je me demande si vous êtes intéressé à la politique un peu. Pas trop, non. Vous dites la politique? Est-ce que tu as des opinions sur ce qui se passe dans le pays? Non, pas vraiment. Mais tu parles parce que Petri va mal, non? Il n'y a pas la peine de faire semblant avec moi. C'est un agent secret ou quoi? Jeff, un agent secret? Ouais, je pourrais très bien être un agent secret. Peu importe, le simple fait que vous fuyez le pays veut bien dire que vous vous intéressez à la politique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ok, cool. Alors, dans ce cas-là, c'est presque fini. Qu'est-ce que vous comptez faire pour bouger les choses? Il y a un nouveau président. Ça pourrait marcher, mais pas sur le système est peut-être trop corrompu. C'est sûr que c'est vous, les jeunes, qui avez le pouvoir de changer ce pays. Ça peut changer. Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'ai du mal à imaginer. Ça me déprime d'entendre ça. Oh, la section mobile. T'as passé la limite? Non, enfin, je crois pas. Mon garde sans calme. Essayez de parler, d'accord? Ça m'a bien, madame. Permis, papier de véhicule. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Monsieur, c'est quand c'est un petit soldat tyran. Vous aurez. Votre fille à l'arrière? Non, monsieur, on a les ajustes pris en stop. Je vois. Vous voyez, monsieur? Ça va, ma petite dame? Ça l'a stressé. Ça va. Puis vois, tu ressembles à des ados de la vie de recherche. On me le dit souvent, je me doute. Je vais quand même avoir besoin de tes papiers justes. Pour être sûr. Et si en faisant un don à la section mobile? Un don? C'est une bonne idée. Quand on est dedans, peut-être je pourrais fermer les yeux. Merci, monsieur l'agent. Vous n'avez pas vraiment payé un type quand même. Il essaie d'aider. C'est à cause des gens comme vous que payer dans cet état. Pardon? C'est toi. Arrête, Zoé. C'est bon quoi, qu'est-ce qu'il va faire le gros lard là? Ça suffit, toi tu viens avec moi. Pourquoi t'as fait ça, Zoé? Ne touche pas à ça, flic. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Reste dans la voiture, petite. Fais ce qu'il te dit.
Reste ta voiture. Je te dis. Je sais que c'est pas facile, mais tu as fait le bon choix. Il t'a renvoyé tu sais où. Eh non, ouais. Elle a voulu s'énerver envie qu'elle s'énerve. Bip, boum, bip. What can I do for you, kid? On a mangé. Quand c'est pleureux, hein, si tu vois un SM, tu cours. SM, assassin mobile, tu sais même pas. Tu sais même pas ça, ma pauvre fille, t'as aucune chance. Un petit match? Attention, il peut y avoir un seul gagnant. Qu'en est-ce soit-il? T'en as mis un, ça chauffe. Et de deux. Il reste fait la fragène. Et de 3, P1 win. Personne ne m'avait encore jamais battu. Je vais avoir besoin d'une petite minute pour m'en remettre. Je dis, boy, qu'est-ce que tu veux? Je suis une boss. La défaite est plus dure à avaler que les burgers. Tu sais, j'en fais moi des jeux vidéo. J'ai même vendu un jeu à ce resto. Et m'en a qu'à évoluer mon pourcentage. Du coup, tu veux te venger? Ouais, il perd un pour ça, ne t'inquiète pas. Du coup, une astuce pour passer la frontière? J'ai pas été en sympa partie à perso. Je connais un gars qui connaît un gars qui connaît une meuf. Et passé par le genre de tunnel de la frontière. Le reste des Montramus, il gagne. S'en fout, vu qu'il ne gagnera pas. Tirac fera tout pour l'empêcher. Attendez, viens voir une idée, on va récupérer ma part, suis-moi. Il y a une salle arrière où il planque l'argent.
Vous êtes capable de forcer la serrure. Je sais pas trop. Tout va bien se passer. J'en suis pas à mon premier essai. Cédric Gold vient tout juste de Jurassic Park. L'ouvrir? Ok, le gadget est parfait pour le forcer un jour à sortir du ramasse cerveau. La peur de l'ennemi et l'intelligence. Et il faut trouver une toune maintenant. Ça sent la faux aussi, tu parles d'un book ça. Regarde dans le tiroir. Hold up. Attends, toi aussi. Les corps sur un monde de la brigade sont supposés se trouver. 4-6-7. 4-6-7. 4-6-7. Here, I gotta finish reading this article. Pas de bruit. T'as vu Stella Rémy récemment? Quelque chose cloche. Parce que quelqu'un était rentré. Je vais vérifier une seconde. C'est vide. Okay, I'll sit tight. Attends, ok, à toi. Ok, bye. Oh non, 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 non! Hey, who's in there? Run! Hold on, just whatever you took, give it back. It's your lucky day, kid. Get out of here before I change my mind. Bonsoir. What? Get out of here. Je devrais pas nourrir de bus. You should steal the creep manager's car keys. You
keeps them in a room behind the diner. Faut pas voler, par exemple. Something in the way. T'as de la chance d'être tombé sur moi, j'espère que tu réalises. En vous pour les deux. La chance ne te rend pas compte qu'elle grange. Cette route t'aurait bouffé tout cru. Hey. Ça va? Oui, mieux, c'est fini maintenant. Je veux dire, je préfère rentrer chez moi. Où est-ce que t'as ramassé? Pas loin de où elle m'a trouvé. Il faut croire qu'il y a un nid par là. J'essaie, pas si fort, meuf. Mais oui. Quand on disait que quelqu'un avait traversé en passant par les tunnels, j'ai essayé, mais un glissement de terrain avait bloqué l'accès. Je sais que ça a l'air naze, mais j'ai juste hâte de dormir dans mon propre lit. Je comprends complètement. Tiens, c'est ce que j'écoute sur la route. J'en ai besoin maintenant. Et vous parlez à quoi en arrière? Oh, de rien. Vous pouvez appeler vos parents quand on sera arrivé à la station. Au poste, d'accord? Viens vous chercher. Pourquoi vous nous avez ramassés? J'ai vu vos avis de recherche à tous les deux. Vos parents doivent se faire un sang d'encre. Je peux vous poser une question? Vas-y, ça fera du bien de parler un peu. Ce boulot peut être assommant de silence. Vous entendez bien, Antlik? La plupart du temps. Écoute, c'est comme dans n'importe quel métier. Il y aura toujours ceux qui s'accolent et ceux qui ne s'accolent pas. Vous évitez de partir de la politique, voilà comment n'importe quel métier. Imagine bien. À tous les unités, nous avons un code 10. Radio communication des brigades en cours. La source se trouve à bord d'une route 42 à vous. On dirait que c'est mon jour de chance. Je vais enfin mettre la gravasse sous l'émetteur de brigade. Unité 2, je trouve au nord de la 42 à vous. J'ai croisé le gamin de vos photos. Ouais, tu es sûr? Il est maître chef des brigades. Non, pas mon petit chou.
bear to mama bear. You copy? C'est pas la meilleure maman, papa ours. J'ai deux gamins. Derrière toi. Tout va bien, tu as l'air inquiet. Ça, c'est le cœur de la 42, d'accord? Promets-le-moi, maman ours. Ça a coupé, papa ours. Tu es où? Toujours là? On risque de penser que tu es impliqué. On passera pas par le tunnel, on sait qu'on va se faire prendre. Je vais faire quelque chose pour toi. Je voulais tracer, mais j'ai pas assez pour un passeur. Je pense que je vais peut-être rentrer. Bien. C'est pas le moment d'abandonner. T'as raison. Merci pour l'encouragement.
Alors, c'est quoi votre stand? Du quoi le stand qu'il y a d'autre? Quoi, c'est des manifs? Bien sûr, j'ai croisé le juste de ça sur la route. Le gros main sera ici pour l'élection. Tu veux quand même traverser? Ou que tu sois plus discret? Il y a des gardes ici à un moment d'occasion. Nous arrêter. Pardon, je savais pas. Tu peux faire confiance? Au revoir. Ah, juste un truc sur toi. Votre camion? Ouais, pourquoi? Tu me prends en arrière? Non, beaucoup trop risqué. C'est de l'argent, hein? Je m'étais promis de plus le faire. Allez, monte en arrière, mais fais pas de bruit, vite. Personne. Alors vous n'avez rien à craindre. C'est bon. Arrêtez vos prochains postes de contrôle. Bonne journée à vous aussi. Le chien. Vous croyez qu'on est des sans de dressage? Vas-y, file. Tu manges. Encore. Lance le scanner. Venir dans le pays si chaleureux. Ah, on l'a eu. La liberté. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de plus important, mais nombreux sont les jeunes patriotes à la recherche encore. 79e jour plus tard, élection des
jour de l'élection. Et leur voyage ne fait que commencer. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Route 96, Route 96, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!